Eh bien salut tout le monde, c'est Allgame et on se retrouve pour un nouvel épisode sur une map survival que je vais commencer entre amis en compagnie de Adri1900 et The Farside. Salut à vous. Salut. Salut tout le monde. Hop et Adri. Ok, bon bah on va pouvoir commencer. Donc voilà, donc on a mis sur notre serveur une super map survival qu'on a trouvé sur le net, créée par un mec que j'ai oublié le nom mais que je mettrai dans la description. Et on va pouvoir commencer. Map. Voilà, donc on est sur une île déserte, on est perdu et on doit survivre face aux monstres. Voilà, et donc voilà. On va pouvoir commencer à couper l'arme là pour récupérer des plis d'arbres. Voilà, donc là j'en ai déjà une. Ah, tac dessus. Par contre, je regarde qu'elle tombe pas en bas, j'ai pas envie de me casser la gueule pour aller les prendre. Moi non plus. Ah, rien, c'est toi qui dis que. Moi je ramasse le bois quand j'essaie. Il faut faire gaffe parce que est-ce qu'il est activé le PVP? Je sais pas. Alors attendez. Je crois alors, qu'ici ouais, il y a qu'un seul chemin qu'il faut faire attention pour pas mourir, c'est là. C'est bon, tout, rien n'est tombé. Alors là je vois déjà du fer. J'entends des araignées, ce qui n'est pas très. Je ramasse le truc là. Alors bon, j'ai qu'un seul de bois. Alors super. Va falloir qu'on se trouve vite fait un truc pour la nuit, sinon on va mourir. Bah, je vois déjà des poules. Est-ce que t'as mis Time C0 avant de commencer la vidéo? Oui, bien sûr. Ok, ça marche. Bon, moi j'ai bien sûr. Donc on répète, on va mettre des règles. Je l'avais pas fait, hein. Je le refais, désolé. Hein. Okay. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, c'était c'est le. C'est pas le seul code qu'on va faire. Mais on va suivre des règles. On va essayer de. On va établir des buts. Enfin des buts, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de faire survival si ça va jamais s'arrêter. Donc ça s'arrêtera quand on aura établi les buts. Ok, donc là il y a juste à faire les règles, on va s'occuper de ça, on va mettre dans la description à la fin du premier épisode. Et comme maintenant on est plus limité à 15 minutes, on va faire des vidéos, on va dire 25 minutes. Enfin, ouais, Gitchup, ouais. Gitchup, est-ce que tu veux passer ton bois? Ouais, tiens. Geekyop, je te. Attends, bah tiens, je te le donne, Adrien. Ah, attends. Comment c'est que t'as eu des planches, toi? J'avais du bois. Ah, mais. Merci. Et genre. Ok, j'en ai eu un. Allez, bon, il va nous falloir. Faites un établi et des machins là. Ouais, t'inquiète, je gère. Sauf que je suis bloqué. Oh là là, attends, je ramasse ça. Hop, moi, je vais planter mon arbre. Je le mets. Alors, il faut déjà qu'on se trouve un endroit où s'installer. Alors, j'avais pensé un petit endroit sympa là que j'ai repéré. Attendez, j'ai éparpillé un peu les arbres parce que là ils sont un peu collés et ça fait pas très cohérent. Hop, non, merde, voilà. Ouais, voilà. Donc, ici, moi j'ai trouvé un endroit super sympa. Fabriquez-nous des machins pour résister à l'assaut des monstres parce que j'ai pas envie de crever. Surtout que venez tu t'en charges. Essaye de fabriquer des PZP en cobalt. Toi t'as tout le bois. Non, d'abord je m'occupe de créer des déjà faut que j'ai une pioche pour avoir de la cobalt. Des vaches là parce qu'il y a des moutons et moi j'aimerais. Ah ouais, il y a des cochons là-bas. Je vais faire la collecte de côtelettes, hein. Le problème. Il va un peu loin là-bas. Non mais t'inquiète, tu m'en occuper. Alors je m'occupe de tout ce qui est minage et tout ça. Bon, moi en tout cas j'ai ma petite planque au cas où, hein. En fait t'avais bien l'os. Est-ce que tu veux me passer un petit peu de bouse après si tu en trouves? Sans vraiment détruire le paysage, s'il te plaît. Eh franchement, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Manque plus que l'avion qui est écrasé sur l'île et ça fait vraiment l'os. Ouais, j'avoue. Ou le bateau. Ah ouais. C'est genre un bateau là, tu sais, sur l'île. Oh merde, bon, faut vraiment qu'il y ait des vaches. Parce j'entends des araignées, mais ça m'énerve. Bah moi j'en ai vu une. Alors, je vais pouvoir faire. Alors, qui c'est qui veut se mettre à la tâche de miner? Moi ça m'intéresse, mais pour l'instant je ramasse tes côtelettes. Moi je suis prêt. Ok, il y a déjà un arbre qui a poussé. Hein. Attention. Il faut vraiment qu'on économise le bois car en fait, ouais, je viens de m'en apercevoir. On a vraiment pas beaucoup de bois.
Ça va être Forsyth, donc on va t'appeler comment tu m'as dit, parce que je me souviens plus. Akimbo. Voilà, Akimbo. Donc on va l'appeler comme ça, c'est plus court. Et bon, il tenait qu'on l'appelle comme ça, donc on va l'appeler comme ça. Puis c'est un petit avantage aussi pour nous, parce que c'est plus court. Et voilà. Combien il te reste de vie? Enfin, de vie, enfin, je parle de la vie de fin. Je parle de la fin. De fin, j'ai deux côtelettes et demie de perdu alors. Et toi, Adrien? Non, moi j'ai toutes mes côtelettes, j'ai rien perdu. Adrien, file-moi une pickaxe, fit, s'il te plaît. Non, mais t'inquiète. Ouh, j'entends. Il y a trois côtelettes. J'ai vu des araignées, attends, je vais aller en buter une. En plus, si on a trois, c'est pas mal, non? Ouais, ça gère. Je sais pas, par contre, c'est pas si nul. Ouais, attends, je ramasse le bois là. Et puis je vais dans la. Oh, donc la maison, on l'a mis où la maison? Ah, au secours, je suis tombé dans une petite araignée. Moi. Putain, il va crever. Non, mais rien de bien. Waouh, le gros arbre que t'as fait. Ah, il y a plein de bois dessus, mon gars. Ouh. Ça gère. Viens voir, Gutchap. Attends, je te montre où c'est qu'elle est là. Ouais, tu me passeras tout, moi je m'occupe de tout ce qui est maison, tout ça. Adrien, taille de pickaxe. Rien, j'ai pas de. J'ai rien fait là pour l'instant, je suis en train de récupérer le plus de cobalt possible. Je tenais à dire aussi, j'utilise j'utilise le pack de texture pour random que je mettrai dans la description. Et peut-être un des packs de texture qu'utilisent mes coéquipiers pour vous faire profiter parce que c'est vraiment un très beau pack de texture et je tiens à le faire partager. Il nous faudrait du bois pur, s'il te plaît, Bastien, si tu en as. J'arrive. Ah, j'en ai. J'arrive. Ok. Tiens. Dans la maison. Voilà. Juste. Alors Adrien, tu veux combien de bois pur? Moi j'en. Passe-moi, mets-moi tout là. Je récupère tout, t'inquiète. Non mais attends. Je vais faire un deux parce que moi je vais me faire une pickaxe. Je vais me faire une épée aussi pour buter. Mais c'est bon, tiens, prends ça si t'as envie de miner. Ok, mais faut aussi que je me fasse une épée. Mais t'inquiète, je fais tout. Passe-moi par contre tout le bois que tu as pris parce que ça va être très important pour moi. Bah attends, je te passe les sticks et les wooden planks. Voilà. Alors, il est grand l'arbre. Il y a plein de bois dessus. Hein. Plus il y en a, mieux ça sera, Carl. Et récupère un max de pouces d'arbres, sinon on va pas y arriver. Et elle est là, l'entrée de la mine, The Third Side. Ok, je sais, mais t'inquiète. C'est pas ce que je veux aller faire de. Bastien, t'as de la nourriture? Non. Ah. Putain, ils vont se là. Bon, c'est pas grave. Ouais. Je mine le fer. Voilà, bon, c'est bon, il y avait 15 euros de fer. C'est bon, j'ai fait un coffre, j'ai tout. Alors, j'ai fait une maison super bien. Au mur, tout est accroché au mur. Moi, je mine la coffre. Ah ça y est, faire des torches. Attention, je crois que la nuit va bientôt tomber. Hein. Ah ouais, faut penser à ça parce que là les monstres ils vont arriver, surtout qu'on est en hard. Ouais, j'avoue, on va crever. Faudrait s'organiser. T'inquiète pas, je m'occupe de tout ce qui est maison. Il me faut vraiment de la nourriture. Ouais, bah écoute, moi j'y peux rien s'il n'y a pas de cochon ou de vache. Bien sûr, le seul animal qui apporte pas de nourriture, c'est le mouton, et y a que ça. Ouais, c'est bête, hein. Voilà, la chance nous sourit. Ok. C'est aussi ça, un survival. On est un peu dans la merde parce que moi aussi. J'ai un steak de vache que j'ai grillé, ça y est, au four. C'est qui le va le chercher, moi j'en ai pas besoin. The Fort Side, tu es où? Ouais, je t'appelle The Fort Side. Attends, je vais buter. Ouais, je l'ai mis dans le coffre. Je l'ai mis dans le coffre. Hein. Ah oui, tu commences à mourir? Non, moi ça va. Mais c'est un nid à un araignée là-bas. Attends, j'arrive avec toi. Attends, je pose quand même toutes mes affaires dans le coffre, j'ai pas envie de mourir pour rien. Non, t'inquiète, je peux me les faire. Oh, y'a une cage à spawn. Oh mon gars. Putain, j'ai sens qu'il va mourir là. Attends, fallait me le dire, moi je fais des torches. Vas-y, envoie des torches. Attends, t'inquiète, je les craft. Tac. Ok, non, mais c'est bon. En fait, ouais, il reste juste la cage à spawn à hunt et puis c'est bon. Ok, bon, moi. Oh là là, mais j'ai toujours pas fini de ramasser l'arbre. J'en suis à 30 bûches là, bientôt. C'est. J'ai plus de nourriture. Oh, j'ai plus de barre de nourriture. Ah merde, bon, bah. Va dans la maison. Non, c'est pas grave. Va dans la maison.
Bon voilà, j'avais trouvé du poulet, maintenant j'ai un seul de nourriture. Voilà. Tu vas mourir, faut jamais manger le poulet de cru. Jamais, non. Tu vas mourir, tu attends. Oui, je sais, mais ça va, je suis pas malade. Ouais, t'as de la chance, hein. Bon, par contre, j'ai 8 ficelles, mais je sais pas à quoi ça va nous servir à part faire de la laine, sauf qu'il y a des moutons partout, alors non, ça ne sert à rien. Il est où ton donjon araignée, là? Attends, viens, on va y aller tous les deux. On va le hunt tous les deux. Il nous faut des torches. Non, mais t'inquiète, dis tout ce qu'il faut. Ah, c'est un donjon araignée, t'arrives. Mais sinon, t'inquiète, viens encore, Bastien. Ou sinon, ce qu'on peut faire pour rassasier notre faim, bon, je sais, c'est un peu noob, mais on crève. Bah ouais, si on trouve pas de nourriture, c'est ce qu'on fait. Des mon dieu. Bah j'ai crevé. Oh là là. Donc comme ça, mon dieu, mais c'est... Eh, venez voir, là, je me suis fabriqué une maison dans l'arbre tellement qu'il est grand, c'est parfait. Bah, je verrai ça, deux minutes. Oh là là. Elle est où, mon épée, Adrien? Refile-moi mon épée. Putain, il est grand, cet arbre. Waouh. Oh, bon, attends, je vais aller prendre du en bois. Et les gens, j'en suis bon, à 38, j'en suis à 38 de bois brut sur un seul arbre. Ah ouais. Ouais. Trop bon. C'est pas mal. Alors vite, je vais me prendre. Ah, j'ai en train de tous me les faire là. En bois. Merde. Allez, c'est bon les gars. C'est bon. C'est bon, t'as mis des torches partout autour de la. Attends, non, il reste une araignée. Il reste une araignée. Putain, j'ai pas vu elle. C'est bon, elle est morte. C'est bon. Ah, moi, je suis toujours sur mon arbre. Alors, attends, t'as pris ce qu'il y avait dans les coffres. Il faut prendre. Attends, je vais aller vous filmer parce que là, les gens, je suis sûr qu'ils ont envie de vous voir. Il y avait quoi dans l'autre coffre? Il y avait du blé. J'en suis à 40 bois, j'ai pas fini. Un cactus, de la gunpower et un sou. Ok, maintenant, il faut aller prendre une pickaxe et éliminer de la moss stone et le charbon. Bien, ouais, tu t'occupes de ça, The Fortside. Moi, je vais m'occuper de la maison. Oh, il va faire nuit, les gars. Il va faire nuit, on va se faire nuit. T'as raison. Bon, tous dans le trou, là. J'ai du bois, c'est bon. Non, mais dans le trou. J'aime bien, tous dans le trou. La poudre d'os pour qu'on fasse un champignon géant. Adrien, monte la maison. Adrien, on va mourir si on reste dehors. Mais dépêche-toi, suis-moi. Ouais. En plus, les arbres, ils commencent à pousser, là. Merde. Tu nous as suivi au moins? Ouais, t'inquiète. Dépêche-toi. On va falloir resserrer l'entrée, mon gars. Attends, mais comment t'es arrivé là? T'es où, Guitchap, tu es où? Je t'ai pas suivi, enfin, j'ai cru que t'étais allé dans le... Ah, ok, c'est bon, vous êtes là. J'arrive. Derrière toi. L'île est pourtant pas très grande, hein. Ah, bah, j'en sais rien. Vous. Voilà, allez, on rentre tous, je ferme. Ah, c'est là où vous êtes installé, d'accord. Ok. Ouais. Alors, okay, je vais chercher. Ah, tu as ce qu'il faut pour fermer? J'ai du bois, je mets dans le coffre. Hein. Bon, alors moi perso, je mine. Ah non, il me faut des torches. Ok, bah. Bastien, tu fais mine, moi je vais. Je fais la maison. Attends, sinon, il faut qu'il y en ait un qui aille hunt les zombies et tout. J'y arrive. Non, mais toi, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Non, mais c'est bon. Il n'y a plus de place dans le coffre et j'aimerais pas poser mon bois. Bah, essaye d'empiler les trucs. Je le mets dans le. Ouais, attends, je le mets dans le four. Va le chercher dans le four, Adrien. D'accord, c'est bon. Est-ce qu'on peut empiler de bien là-dedans? Bah, je vais garder les torches. Ça, je vais faire chauffer. Bon, moi perso, je vais hunt les zombies. Ouais, bah attends, j'ai même pas de machin, moi. Attends, oui, mais tiens, t'as pas aller dans le coffre. Ah, si, attends. Attends, y a pas de. Attends, je vais te faire un truc. Ah, si, t'as une stone pickaxe. Je crois que t'as des. T'as une stone pickaxe et tu n'as pas de torche. Alors attends, je vais t'en faire briquer. Merde. Ouais, bon, c'est pas... Bah déjà, je pense que tu peux commencer à miner. Je sais pas.